Yes. To the outside world, this is one of the main roads, right, in Port-au-Prince? Donc ça, c'est votre principal port au Prince. Ouais. Balsimola. Là, c'est autre, là, mais ça fait nos barricades, juste pour empêcher que les sonnets dans la police vont nous assassiner, nous là. En tout cas, ils sont refermés. C'est pas peur pour la police va venir assassiner les gens qui font refermer. Mais pas vous être nous-mêmes qui gagnons, non. Nous avons plus peur la police parce que la police est venue, ils ont tué tout pour nous aujourd'hui. Nous sommes obligés de barricader la police pour nous. Nous voulons que nous cherchions à briser devant toi. Mon but, c'est de mettre tête avec l'État qui va le faire sur la salle des jours. De façon à arriver dans le quartier populaire, c'est les politiciens qui mettent les armes sur le quartier populaire. Soit pour déstabiliser le gouvernement qui est sous pouvoir, les gens ont besoin de pouvoir eux-mêmes. Les amis arrivent dans le quartier populaire, parfois c'est le pouvoir qui met dans le quartier populaire. Les gens ont besoin d'empêcher l'opposition de manifester contre eux. Donc, mettre les armes dans le quartier populaire. L'autre façon, les amis arrivent dans le quartier populaire, c'est l'oligarchie qui met des armes dans le quartier populaire pour empêcher l'autre businessman de faire commerce dans le pays pour capable de compétition. C'est pour ça que les armes sont en aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'école dans le pays, pas de l'hôpital, pas de l'eau pour le monde. Les armes sont tombées dans le groupe armé, ils viennent apprendre le groupe armé à faire kidnapping. Kidnapping n'est pas sorti dans le quartier populaire. Kidnapping n'est pas sorti en l'air. C'est vous qui n'êtes pas bourgeois. Pour les gars qui te font faire kidnapper l'autre businessman pareil, là où il y a besoin, on a intérêt qui menace. Et puis pour ça, les gens qui sont dans le quartier populaire, ils ont plein d'habitude de faire kidnapper parce qu'ils doivent être dans le pays là-dedans. Et puis eux-mêmes, ils ont une autonome avec kidnapping. Je vous dis à eux qu'il y a assez d'argent pour continuer à acheter des armes, il y a assez d'argent pour continuer à acheter des balles. Ça veut dire que l'État qui l'a acheté avec le bâtiment, on doit le comprendre. Comme l'État n'a pas de contrôle du monde, comme l'oligarchie a perdu le contrôle du monde, aujourd'hui, il y a une force multinationale pour qui vient de remettre l'ordre pour nous pendant que nous-mêmes, c'est eux qui ont créé des soldats. C'est même ça qui est passé en 2004 avec le nouveau contrat social. Ils ont besoin de déstabiliser le gouvernement en janvier 2016. Ils ont utilisé le pouvoir pour déstabiliser Aristide. Après, ils ont pris le pouvoir et que le peuple a parlé nouveau contrat social. Et c'est ça qui reproduit 20 ans après, en 2024. Là. C'est eux qui ont mis en place dans le quartier populaire, qui ont déstabilisé le gouvernement qui était là, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle. Nous prenons l'indépendance depuis 1804. Aujourd'hui, toute solution à prendre, qui n'est pas solution, qui est haïtien, qui est à son table, et que vous décidez pour contre dans un an, dans deux ans, il y a peut-être la même situation que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire qui ça? Nous respectons CARICOM en ville. Mais les pays qui font partie de CARICOM ne sont pas des pays avant la vie indépendante. Il y a qui peuvent même gagner indépendance qui sous l'obédience les États-Unis, qui sous l'obédience l'Angleterre, qui sous l'obédience communauté internationale là toujours. Pendant ce temps, nous avons plus passé 200 ans depuis nous indépendants. Ça veut dire que pays qui n'ont pas comme aujourd'hui, c'est nous qui avons une leçon de démocratie. Pays qui n'ont pas comme aujourd'hui, c'est nous qui avons mis au chita. Et que pour nous montrer comment on peut organiser l'État là. Mais dommage, les politiciens corrompus, mélangés avec les oligarques volés, les oligarques corrompus, bah nous sommes là comme situation. Côté que kidnapping, viol, vol, et un pays qui a sombré, côté que nous ne pouvons pas vivre là-dedans, nous avons pour tout côté. Ce chaos qui est aujourd'hui là, il faut que la communauté internationale la connaisse. C'est les oligarques qui ont politiciens dans la combinaison avec nous qui mènent ça là. Aujourd'hui, ils sont obligés pour recul, pour quitter nous-mêmes haïtiens, nous chercher solution pour nous. Solution ensemble pour nous chiter sur table, pour nous mettre tout petit pays à sous table, et que pour nous dire,
mais qui ça nous voulons, mais quand on a mené le pays pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, mais quand on a voulu arriver pour 10 ans, 20 ans, pour pas un groupe de gars avec ça, dans 10 ans, 20 ans, pour pas qu'on a voulu kidnapper, pour pas qu'on a voulu violer, pour pas qu'on a voulu mourir à gauche à droite, pour pas qu'on a voulu mourir. Aujourd'hui, c'est ça nous même voulons pour le pays. Ça qui a passé là. Ça va faire partie de la solution. Nous ne pas prêcher aucun monde, nous ne pas faire exclusion. Tout le monde là-dedans. Il faut que tout le monde soit là pour nous penser pays. Mais la communauté internationale va faire un petit groupe pour nous mettre Chita. Quel est l'accord Montana? Qui est-ce qui fait partie de l'accord Montana? L'accord Montana, qu'est-ce qu'il a dedans? C'est même oligarque encore. Nous mettons représentants dans l'accord Montana pour être capable de renouveler le même système qui est là. Regardez, quelle est la famille Lavalas? Ils ont tout fait partie du gouvernement Ariel Henry. Et ainsi de suite, quel était l'autre représentant qui fait partie du conseil présidentiel? Ils ont tout fait le gouvernement Ariel Henry déjà. Je veux dire, c'est le même petit groupe qui chita avec la communauté internationale et puis qui vient proposer un conseil présidentiel de 7 membres qui n'a pas gagné pour avec la constitution pays. Ça a révolté nous-mêmes qui nous vivons ensemble et nous continuons à vivre ensemble pour nous-mêmes jusqu'à dernier coup de sang. Et même si nous arrivons à assassiner chaque membre de vivre ensemble, génération capillaire a continué pour nous. Parce que Haïti nous souhaite. Haïti qui a l'école gratis, l'école privée gratis pour tout le monde. Haïti qui a l'eau potable pour nous. Haïti qui a la sécurité, qui a le travail. Nous avons qu'à faire avec la communauté internationale, j'ai fait là. Avec ingénieuse, j'en sais où qui a décidé pour nous. J'en tout le bagage qui a fait dans le pays, si blanc va parler, et que nous-mêmes nous avons décidé. Aujourd'hui, je ne sais pas si Caricom était obligé de mettre nos chita parce que c'était une opportunité pour tous les politiciens qui ont été chita à son table pour proposer pays à un bagage. Pour nous jouer sur le bagage en fait. Peut-être dire ça. Parce que tout ce pays qui est intéressé, c'est que le pouvoir pour proposer des vols. En gros, c'est ça qui a passé. C'est l'oligarchie mélangée avec la classe politique là, qui met les pays à un chaos qui est là aujourd'hui. Si dans le commencement, c'est l'oligarchie qui a politisé. Qui te met des amis dans tout quartier populaire. Mais te met des amis pour te faire ghetto, boum avec lui. En jodia, moi-même, je vais essayer de parler avec tout monsieur. Ni ça qui est ami, ni ça qui est ennemi, parfois qu'on a boumé avec, qu'on a boumé avec, qu'on a cherché pour assassiner. Je vais essayer de montrer que les noirs boum entre nous, la première victime, c'est le monde qui semble nous. Quand il y a un monde qui a boulé, c'est quand il y a un monde qui est dans le quartier populaire, même côté avec nous. Les gens qui mourent, c'est les frères, c'est les soeurs, les familles qui mourent. Pendant ce temps, ni les oligarques, ni les politiciens, les citoyens, madame, à l'étranger, ils ont une université à étudier pour être capables de tourner une toute petite génération qui vit derrière. Même Jean-Papa, à maman, ils ont tout petit, avec la famille, à toute petite génération, pas maintenant qu'elle a grandi. Et je vais montrer que vous mettez ça entre nous, ils ne peuvent pas mener nous aucun côté. C'est peut-être ça que. Au commencement, l'objectif n'est pas même. C'est peut-être ça, nous reconnaissons que nous paquet de bagages qui sont faites qui sont bons. Il y a quelques groupes qui ont des âmes, je dis à nous, une alliance avec eux, qui ont fait série des actes qui sont et que la société a reproché. Par exemple, kidnapper les gens, violer les gens. C'est ça que je dis à nous, pour nous avec eux, pour nous montrer aux actes, ils ne peuvent pas refléter l'image vivant ensemble. Ils ne peuvent pas refléter la bataille que nous avons fait. C'est peut-être ça, nous avons programmé sur le kidnapping, si ce n'est pas violer les gens, tuer les gens. Je pense que vous commencez à avoir une vision, une idéologie, ou pas même, mais avec le leadership que moi-même venons développer avec quelques autres leaders dans vivre ensemble, nous commençons sous la même longueur. Nous commençons à voir les choses au même genre. Kidnapping pas bon, viol pas bon, tuer les gens qui semblent nous pas bon, les âmes sont les gars qui ont politisé au Tébanon, je dis à la vie de vous, les âmes sont les gens. Et moi, je ne vais pas utiliser la force. Contre monsieur. C'est mal utiliser la force contre son pour mes peuples de la vie. Nous ne pouvons pas faire ça, nous devons faire. Contre nous qui mettons des situations ça. Mais chaque jour, parfois nous parlons 7, 8 fois dans le téléphone, ou à chaque fois que nous donnons une nouvelle, soit nous dans un monde, soit nous bagaille qui n'est pas bon, qui fait, nous toujours les messieurs dans le téléphone pour nous garder ensemble comment nous sommes capables de corriger ça. Et même nous, même tout qui t'a fait là, je dis à vous, vous commencez à prendre conscience que et ça n'est pas bon, nous ne pouvons pas faire encore. Mais moi-même, je s'assure que je toujours continuer à parler avec vous et que vous ne pouvez pas attendre, vous ne continuer à faire. Et je pense qu'avec le temps, il n'a fini par jouer le résultat qui n'a pas cherché à son pays sans kidnapping, sans viol, sans tuer le monde.
et n'a fini par chasser les oligarques à politiciens corrompus dans le pays. Et pour bien comprendre ça, faut que nous retournions dans l'histoire du pays. Il y a trois catégories d'esclaves. Il y a esclaves domestiques, il y a esclaves à talent, il y a esclaves des champs. Esclaves domestiques, et eux-mêmes qui ont travaillé à colons. Les colons ont dormi, ils ont dormi. Les colons ont mangé, ils ont mangé, restent manger colons. Les colons ont radio par besoin, ils ont resté là. Les gens ont trouvé qu'ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin et indépendance. Il y a un autre groupe d'esclaves qui étaient esclaves à talent, qui conduisent la musique, qui ont métier, qui ont des bâtiments qu'on fait. Les fait qu'ils ont fait meubles, ils ont fait électricité, ils ont travaillé au café. Ils n'ont pas trop besoin de liberté parce que ils étaient au service de colons. Le groupe d'esclaves qui étaient plus mal, c'était des esclaves qui travaillaient dans le jardin. Côté que ont même 6h du matin ou 6h du matin. Ils n'ont pas de temps pour dormir, ils sont toujours dans le jardin. Et ils mettent des esclaves par eux à fouetter. Celle ça a été pour nous joindre, c'était pour nous pour nous prendre liberté. À chaque fois, esclaves, des chances à battre pour nous prendre indépendance, esclaves à talent, à esclaves domestiques, ils ont toujours fait un pour rapporter tout le plan aux colons. Et ça fait avant même que des salines aient fait bataille d'indépendance, ils étaient obligés de tuer tout esclaves à talent, à esclaves domestiques. Non, on finira tout ça après m'expliquer au reste, par avoir voice qui me fait sortir. Classe politique qui là, c'est esclave à talent. L'autre groupe monde qui semble nous, qui sur les réseaux sociaux, et monde qui dans les médias, c'est esclave domestique. C'est eux-mêmes qui ont détruit nous-mêmes, esclaves des champs. Nous-mêmes qui sommes esclaves, ça on en met nous. C'est esclaves des champs. Celle-là qui est pour nous, c'est craser le système. Même gens esclaves longtemps, ils n'ont pas gagné pour perdre, mais ils ont tout bail pour gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Mais même j'en appelle aujourd'hui là, ils n'ont pas gagné pour nous perdre. Que nous voulons tout ça qui est dans le pays. Que nous crassons tout ça qui est dans le pays. Ce qui est important pour nous, c'est jeter le système là, après à reconstruire tout le bagage. Mais avant même que nous arrivions à joindre, on monte pour Reginald Boulos, avant même que nous arrivions à joindre, on monte pour Dimitri Vaux. Avant même de jouer en série de l'autre oligarque qui a pris le pays, il faut que je joue au monde pour André Michel avant. Il faut que je joue au monde pour Majorie Michel. Il faut que je joue au monde pour Don Gato. Il faut que je crase la classe politique qui est là. Et il faut que je crase une équipe de vagabonds qui est les têtes militants qui a pris le corps pour détruire nos réseaux sociaux et que pour faire combinaison contre nous. L'un qui passe pour un monde, mélanger la classe politique, laisse un terrain appelé pour nous faire un oligarque qui a besoin. Ces gens qui expliquent dans le commencement, c'est même monde qui met des âmes qui crée des audios et que c'est même monde qui a demandé des choses à vous forcer à venir. Est-ce que vous avez des âmes qui sont dans le même? Et pas acheter, mais acheter. C'est dans le business où vous avez des jeunes. Et est-ce que vous avez permis pour mettre des âmes en Haïti? Non, ça veut dire des âmes de guerre. Vous avez permis pour. Tandis que vous avez des âmes qui sont dans le business. Et moi-même, je suis dans le business. C'est même monde aujourd'hui qui a appelé les forces étrangères pour venir. Parce que j'aime te dire là, si Kenya est venu, premièrement, il va lui faire massacre dans le quartier populaire. Parce que oligarque avec politiciens va l'orienter vers le quartier populaire sous prétexte qu'il y a une décision de bandit. Sous prétexte qu'il y a une décision de gang, il va rencontrer le quartier populaire et que pour lui faire massacre. À ce moment-là, nous-mêmes qui nous avons, nous ne pouvons pas quitter ça. Mais je dis à vous, avec un petit classe évolué. Je dis à des militaires kenyans ou anglais ou des policiers kenyans ou whatever, quand l'autre policier qui vient, on va considérer comme des agresseurs. On va considérer comme des envahisseurs. Et je dis à nous ne pouvons collaborer avec aucun envahisseur, aucun agresseur qui vient sortir pour passer l'indépendance de nous en Babylone. On va pouvoir continuer de toute façon. Nous allons aller.
Voilà, c'est comme ça la situation présentée au niveau de Chêne Mas. Coup de balle à chanter dans toute la coin. Voilà. Vas-y. Nous allons quitter pour nous prendre là. Nous allons quitter pour nous prendre. Tellement de coups de balle captés, nous allons quitter pour nous prendre. Nous allons aller, nous allons tellement de coups de balle captés, nous allons aller. On prend un coin. Ça y est, balou, regarde, c'est qu'à filer là. Balou, qu'à filer là. Attention, attention. Contrôlez, papa. Allez, allez. Côté. Il est là. Côté. Bien, ici. Appliqué. Mais bon, le bro, oui. Madame, levez là, nous sommes là. Et bien, balle capturée, elle est passée à l'autre côté. À l'autre côté, moutez plus haut. Moutez plus haut, chérie, moutez plus haut. Al plus haut. Nous ne sommes pas d'accord, vous êtes là, vous prenez balle là, vous n'avez pas de problème. Moutez plus haut, s'il vous plaît. En passant, citoyen, moutez plus haut, s'il vous plaît. Les gars, descendent, moutez plus haut. Papa, c'est nous beau là. Compliqué au niveau champ de masse. Thank you.
Là-bas, tu vas venir tuer les gens. Voilà, puis coup de balle, balle passe, c'est ce qu'on fait. Qui, dans le moment où on parle là, nous, au niveau palais national, là, nous tout près, et nous sommes capables de dire, pour tout 2004, les glamés qui ont pété un pile balle là, les glamés qui ont pété un pile balle. Voilà, voilà. T'inquiète. N'est-ce que la mère? N'est-ce que vous ici? Et vous voulez? Je ne voulez pas. Est-ce que vous avez monté là, de là, de nuit? Et bien, c'est une zone. Voilà. 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 Ah, n'est-ce que vous avancez sérieusement? N'est-ce que vous avancez sérieusement? Et n'est-ce que la mère obligé à péter un pire coup de balle? C'est radement réglé là. Vraiment. Bagaille pas petit du tout. Bagaille pas petit du tout.
n'a pas gardé 10 filles là. N'a pas tout pris, n'a pas gardé 10 filles ça. N'a pas gardé 10 filles qui n'ont tout, qui n'ont 2 ou 2004 là. Antier caoutchouc n'a pas boulé ou bien si c'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un entreprise à boulé, nous ne connaissons pas. Voilà. Voilà.